Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, vous le savez, pour ceux de ma chaîne, je vous en avais parlé. On va au Vélodrome pour voir Bordeaux, enfin Marseille-Bordeaux. Pourquoi je dis on? Parce que je suis pas tout seul. Je pense que ça s'est vu, hein. Oui, Je tout à fait. pense. Je suis avec Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter. Pour ceux qui te connaissent pas, du coup. Oui. Ils doivent être trois. Oui. Ouais, bah te Probablement. présente pas. Ouais, ne me présente pas. On se connaît maintenant. Non, Vas-y. YouTubeur également sous le nom de Manxo. Effectivement, vlog que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Liam ici présent. C'est pour ça qu'il fait l'intro. Et sur ma chaîne également. Ce sera exactement le même. Et du coup, voilà. Mais vu qu'on a fait le débrief sur ma chaîne également, machin, j'ai fait la présentation. Et voilà, il va faire la petite présentation. Donc, on va voir, comme il l'a dit, Marseille-Bordeaux au Vélodrome. Ça va être incroyable. Je suis vraiment personnellement chaud patate. Je suis supporter lyonnais, mais voilà, aller au Vélodrome, je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. Et du coup, voilà, on va filmer tout ça. On va. Bon, vas-y, Avec vas-y. quand même une petite chose que tu oublies de présenter. Évidemment, j'allais Pour ceux oublier. qui ont regardé mon vlog de Montpellier-Marseille, il y avait un petit enjeu entre moi et mon meilleur pote. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, hein, toujours pour la promo. C'est un petit pari tout simplement entre Mathieu et moi, avec le score et pourquoi pas un buteur. Donc ça, c'est un bonus. Score et buteur, le gagnant, du coup, a le droit au Offre un maillot. maillot à l'autre en fait. Enfin, celui qui. Alors, attends, Ouais, c'est pour ça. Le perdant offre un maillot à l'autre. si oui, voilà, si l'autre trouve quoi, en gros. Voilà. Voilà. Donc, du coup, si moi je pronostique par exemple 3-0 Marseille et qui a 3-0 Marseille, il doit m'acheter le deuxième maillot de Marseille puisque vous voyez que cette année, hop, je l'ai déjà. Et du coup, inversement, moi, ça sera du coup le maillot extérieur de l'OL parce que le domicile, je l'ai déjà, mais l'extérieur, donc le rouge avec lequel on a joué contre Angers, je ne l'ai pas. Et du coup, quand même, petit C'est pas le match. supplément, étant donné qu'on vient de sortir de ce match-là, Angers-OL, je le floque Marcelo. Voilà, comme ça, c'est plié, c'est dit, et voilà, donc je vois C'est-à-dire quand que même quoi qu'il arrive, Marcelo. il est perdant en fait au final. C'est pas fou, qui va floquer Marcelo sur son putain de maillot quand même. Du coup, pronostic? 2-0 pour Marseille, bonus de la Fuente buteur. Pour moi, de mon côté, ce sera 3-1 Marseille. J'insiste avec mon 3-1, j'avais vraiment vu pareil avec Montpellier. 3-1 Marseille, buteur Payet, tout simplement. Et c'est quoi qu'il arrive, le plus proche qui empoche tout simplement le maillot. Voilà, donc ce sera, même s'il n'y a pas un score exact, ce sera le plus proche. Donc on verra bien et bah, on se retrouve tout de suite pour vous et dans quelques temps pour nous certainement. Allez, à toutes! À tout de suite. Ça y est, on vient enfin d'arriver sur Marseille. On voit déjà les supporters marseillais envahir les villes et c'est pas des conneries, vraiment, c'est hallucinant le nombre. Là, je regarde autour de moi, là, quoique je vois pas trop, mais quand on est arrivé, le nombre de gens qui avaient un maillot de Marseille, c'était absolument incroyable. Et voilà, on Les vient d'arriver. ferveurs du foot, elles viennent chez nous. Hein. Ça, c'est sûr. Du coup, le programme, Liam, explique-le-nous parce Donc, que. Non, on vas-y, va. Là, explique-moi. on a juste la bouche de métro juste là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment y aller. On est un peu en avance. Je ne sais pas le nombre. On est gentiment en avance. Hein. Il est 18h09. Bon, tranquille. On va prendre le métro. On va rejoindre des collègues à moi. On va aller boire un coup. Aussi, vivre un peu cette ferveur, comme je vous disais. Et après, tracer au stade, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve et vous allez suivre tout ça avec nous. Tout simplement, de toute façon, le plus important, c'est le match et on va voir ça ensemble. Allez, à Allez, tout de let's go! suite. Yes, la pluie de Marseille, on connaît. Putain, je suis dégoûté. La pluie, les potes, mais c'est le feu. Le match a même pas commencé. Ça hurle déjà. Ça hurle déjà. Les Et supporters bordelais sont arrivés. Petit vélodrome, incroyable. C'est le feu, vraiment. Du coup, je disais, les supporters bordelais ont été accueillis par les supporters marseillais. Ça a été quand même vachement drôle à voir. On va pas se mentir. Avec insultes, G. Bon, c'est pas sport, hein. Mais c'est drôle. Là, on se retrouve tout de suite. C'est magnifique. On a déjà fait un test et on m'entendait pas. Là, on le refait, j'espère que vous m'entendez mieux. On se retrouve donc quelques minutes avant le coup d'envoi, mais quelques heures. Ouais, quelques heures. Là, ça va être plus 7 minutes avant l'échauffement. Là, ça va une petite heure.
et tout le monde est bien sûr presque 60 ans. Donc maintenant on va espérer avoir un bon match. De toute façon on va se trouver pas dans le match pour tirer pour nos résultats à tous les deux. Et on a les Bordelais, je crois, qui arrivent. Et c'est un moyen. Ils se font chier. Et ouais, premier match sur le grand feu les pommes. En fait bon, on se retrouve pas sur après, je pense que c'est
je vais plus hurler. C'est pour ça que j'ai moins de points. Ce qui fait que c'est Mathieu qui a filmé la majorité du temps, je suis désolé. Mais au moins, vous m'avez vu à l'œuvre. C'est particulier de dire ça comme ça parce que voilà, c'est. Voilà. Mais en tout cas, sacré match. Bon, il a été un peu ennuyé au début. Regardez, vous voyez l'image du monsieur qui vient de bailler derrière moi. Et j'espère que la deuxième mi-temps sera encore plus belle, sachant que Payet a déjà marqué et que je l'avais prédit. Hein. Et qu'il y a 2-0 comme il l'avait prédit. Encore un seul but et c'est moi qui l'emporte. Ouais. Un but et ça m'arrange. Même si je préférais qu'il y ait 3-0, hein, plutôt que 2-1. Mais vous inquiétez pas, ça va continuer comme ça. Marseille est sur une bonne lancée. Allez, prions. 2-0, public show, l'ambiance est ouf au Vélodrome. C'est la première fois et franchement c'est incroyable. Vraiment j'ai pas d'autre mot. Magnifique, vraiment. Thank you.
bouche direct. En tout cas, au Vélodrome. On en reparlera tout de suite après, mais en tout cas, moi j'ai kiffé. Vraiment, il y a une putain d'ambiance. Et le match continue. Ça continue, c'est même pas terminé encore. 2-2, il y a eu des buts. Que demander de mieux. Il a l'air concentré sur le vlog là. Est-ce qu'il a l'air concentré sur vous? Je crois pas. Bon, ça y est, on est au calme, on est rentré. Hein, ça y est, on a fait notre petite route au calme zéro. Ça fait 2 heures que le match est fini. C'est 2 heures. Donc j'ai eu le temps de redescendre. Même si j'ai toujours la haine, on va pas se mentir. On rate. Il t'a l'air de tomber les couilles. Redescends. Ça va pas, non? Non, mais ce manque de professionnalisme, c'est fou. Pusher, c'est lui qui a filmé toute la soirée. Et oui, en même temps, vous m'avez vu hurler normalement. Et de toute façon, j'ai parlé 2 ou 3 fois dans le vlog et il va devoir tout sous-titrer parce qu'on n'entend rien. C'est fou. De toute façon, vous l'aurez vu cette partie. Là, c'est déjà terminé. Bon, un 2-2 qui fait que il y a un léger goût d'amertume. Qu'est-ce que t'as pensé de ta première fois au Vélodrome? C'était incroyable. Autant le score, je m'en bats les couilles. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Je me fous, mais autant c'est incroyable. En fait, moi qui a fait beaucoup de stades en France, le stade Vélodrome, c'est un stade, j'ai envie de dire, unique. En fait, à l'intérieur, c'est pas la même sensation que les autres. J'ai l'impression d'être dans une bulle, etc. Et en fait, il y a tellement d'ambiance, t'es tellement dans le truc que même quand t'es même pas dans le virage, tu sens le truc à fond, quoi. Ouais. Et c'est fou l'ambiance qu'il y a. Les supporters bordelais se sont fait, je pense, insulter leur daronne toute la soirée. Vraiment, je pense vraiment, ça a été incroyable. Ils ont pris cher, vraiment. Les bordelais en eux-mêmes aussi. Hein. Oui, aussi. Mais je me souviens à la sortie, à côté des virages, il y avait plein de CRS parce que si ça partait en couille, ça allait vraiment être la merde. Mais bref, supporters
c'était le feu, tout simplement. Le stade était absolument magnifique. J'y retournerai, ça c'est sûr, à 200%. L'été prochain, j'espère, on verra bien. Ben, ouais. Et puis le match en soi. Pas mauvais, mais. Pas mauvais, mais. On était plus dans l'ambiance. Ouais, que dans le match en soi. Et on fera un débrief sur ta chaîne du coup. Du match. Et. Il va falloir que je vérifie 2-3 trucs aussi sur ce match parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a eu des choses. Enfin, nous, quand on est dans le stade, du coup, on n'a pas les ralentis, on n'a pas tout ça, donc on peut pas vraiment voir. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 actions litigieuses. Le rouge, je sais pas s'il y est pour le moment. Ouais. Peut-être que vous allez me play, ils vont me dire il y est, il a les deux pieds décollés au sol, il a taclé à la gorge. J'en sais rien, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu tacler, de loin, il met un impact, mais un rouge direct, ça me paraissait beaucoup. Bon après Balerdi reste une fraude hein, quand même. Bref, ça c'est un autre sujet. On en parlera demain. N'hésitez pas, que ce soit sur la chaîne de Mathieu ou la mienne, à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Liam, Sorbald et Mathieu. Merci, d'accord. Mathieu. Oh putain, le mec qui suit pas du tout. Pour vous servir, bye bye.